travail de livreur, ça nourrit son homme. Voilà, nos déventions nous ont dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Vous savez, peu importe l'activité que vous entreprenez, peu importe le montant qu'on vous paye, c'est la gestion de l'argent qui est très importante. Au Burkina Faso, le secteur de la livraison a enregistré ces dernières années une forte croissance de son activité. Le restaurant Cheprési Sangaré, un jeune établissement, propose des formules de livraison au Burkinabé. Mieux, il vante une manière qualitative de profiter du concept. Déjà, il y a un secrétariat ou comme on peut dire call center qui reçoit les différents appels des clients et suite à cela, et on va positionner un livret en fonction des zones et nous allons facturer le plat et le service de la livraison. Donc le client prend en charge le coût de son plat qu'il doit consommer plus les charges de la livraison qui est à partir de 500 francs selon la distance chez nous. Ce modèle s'installe dans un contexte de forte demande car les travailleurs burkinabés sont de plus en plus réticents à parcourir de longues distances pendant les pauses repas. De quoi réconforter les acteurs. Quand un client appelle comme ça, il y a les livreurs qui sont déjà sur place. Voilà, on prend leur commande, ça dépend des zones des clients. Il y a les zones de Ouagadougou, Milzad, et puis il y a les zones des centres-villes verts, grands marchés, il y a les zones aussi de Koulouba. Voilà, en fonction des commandes, on divise les livreurs. C'est déjà en tout cas un bienfait pour nous. Deuxièmement, ça nous facilite aussi. Voilà, côté travail, si tu es occupé, si tu es très occupé, voilà, tu prends beaucoup de temps pour veiller à ton travail. Maintenant, si tu as faim, tu appelles seulement et puis il vient te livrer. Ça facilite beaucoup. Les réformes économiques engagées dans la politique sectorielle du commerce ont permis l'émergence de l'entrepreneuriat. Les services de livraison continuent de croître. Les professionnels du secteur tentent de se différencier en proposant des bonus à leur clientèle. Le travail de livreur, ça nourrit son homme. Voilà, nos déventions nous ont dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Vous savez, peu importe l'activité que vous entreprenez, peu importe le montant qu'on vous paye, c'est la gestion de l'argent qui est très importante. Même si on vous paye 50 francs, 100 francs, et que vous savez bien gérer, vous ne serez peut-être pas plus mieux que celui qu'on paye peut-être près d'un million. Voilà, donc c'est un peu cela. Je pense que c'est de pouvoir bien gérer. Voilà, le petit qu'on a, c'est ça qui fera de nous peut-être des personnes qui vont s'en sortir. Cependant, ce secteur reste confronté à des défis, souvent dus à la qualité des réseaux téléphoniques. Des livreurs se perdent souvent ou arrivent en retard à la livraison.